Monsieur, bienvenue dans Rendez-vous Info pour jeudi 15 octobre 2020. Nouvelle lieu, c'est étudiants qui prennent la rue, ils le font encore avec un message spécial pour l'autorité. Nous avons un livre, nous avons un examen. C'est le thème étudiant universitaire de l'État d'Haïti utilisé pour dire non à la forme de violence qu'a fait ce mouvement étudiant après la mort de Camarade Grégory Saint-Hilaire qui mourit avec un balle dans le dos en dedans l'école normale supérieure. Boulé dans la commune d'Elma, mercredi 14 octobre 2020. Quelques victimes ont répondu à une question correspondant à nous dans Port-au-Prince, Matiado Vilme. Mais est-ce qu'on déjà joint qui ça qui cause du feu? Non, pas venu, pas venu. Parce que là, sinon. Donc, vous pas arriver à sauver rien, même là. Oui, tout est bien, mais tout monde. Qui lui met un fou, mais lui pas un compte si fou a fermé. Ok? Pendant lui ferme fou, lui pas fermé fou, et puis, par contre, c'est quelque chose qui fait, et puis, il est fou. Là nous même nous pensons ces blagues comme ça vous êtes l'autre pour ne pas dire qu'il diffère et puis mais comment diffère même il y a atteint avec nous même ici là nous avons contrôle de combien de cailles qui déjà passé bas du fait là bon nous gagnons pas de 8 cailles qui passent bas du fait ça va faire 9 cailles mais nous quand même 19 tout parce que les mêmes ligues ça qui fait pas son bas du fait à qui les nourrit les pompiers qui les arrive rejoindre nous là bon nourrit les pompiers besoin par contre lui là. Donc à qui les différents apprennent lui-même. Différents lui prend besoin. Par contre le a, par contre le a. Moi-même c'est tout prêt à l'entrée. Léo dit que du feu apprend. Les mauvais celles ça en dans guitant bouche à la fumée on connaît c'est du feu. Celles ça me guitant fait c'est seulement un bonbon gaz des gains là. C'est lui qui guitant retiré parce que maintenant c'est du feu à travers et la guitare comme ça. Donc des guitants retirés bonbon non. Mais affaire que il a dit c'est bonbon qui dépend du feu pas gagne monde qui connaît origine et du feu qui ça qui cause vraiment mais quand à pour moi là m'a sauvé bon moi même qu'a dit premier cas parce que c'est là m'était ouais du feu plus enragé même. Misère c'est un facteur qui entraîne violence dans le pays d'Haïti selon protecteur citoyen maître Nan Edouville qui t'a intervenu quelques jours avant célébration journée internationale élimination pauvreté 17 octobre qui vient là. Un reportage Yves Manuel de Port-au-Prince. Taux changement représente un facteur important dans la bataille contre la pauvreté d'après protecteur citoyen qui soulignait effet yo-yo goût de vis-à-vis des vis étrangères contribuer pour renforcer la misère dans le pays. Dans le cas ça, il encourage autorité pour travailler dans l'idée pour stabiliser goût de par rapport à dollar. Donc nous-mêmes nous croyons que il faut que le dollar continue de descendre, ça c'est notre position. Au nom des droits de l'homme, au nom des droits économiques, sociaux et culturels, nous pensons qu'il faut envisager une baisse encore du dollar et ceci dans l'intérêt masse-peuple, dans l'intérêt population.
17 octobre, l'an t'a l'occasion pour société à réfléchir sur nécessité yon solidarité en faveur moun ki pi povyo nan peyan. C'est en tout cas ça représentant ATD Kamond la laisser comprendre. Pour faire solidarité ak pi povyo, piès moun pa kap goumen pou kont li kont la mizè. Goumen kont la mizè, c'est pas question yon jounen, mais yon engagement chaque jour. 17 octobre là, c'est en référence pour yon lit en profondeur contre la misère. Bon côté pas le représentant CJ Lapla à Trois Nouveaux, te mette un peu l'accent sur justice sociale dans paysan. Les déplorer le fait que pas gan ken disposition qui prend je crois li là pour résoudre problème 600 000 moun kap vive dans extrême pauvreté. N'a demandé dans occasion journée mondiale refi contre la misère pour le ministère de justice faire cool qu'on est pour la justice à tout le monde qui victime yon façon ou bien l'autre en base zak banditisme. N'a demandé tout pour le ministère environnement qui c'est un ministère qui pas presque réglé rien sérieux par rapport avec ensemble constat ensemble rapport banque mondiale pour lui lever pied pour au moins pour pays à capable aller en souffle en bas la misère la souffrance la connaît depuis 10 d'antan. Journée mondiale pour élimination pauvreté qui est encore les journée mondiale refi misère célébrée chaque 17 octobre chaque année. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Examen officiel 9e année fondamentale déroulé sorti 12 pour arriver 14 octobre 2020 sur tout territoire national là. Dans ville au Cap par exemple, tu as gagné 16 sièges examen. Yo reportage Yvan Mathé Jasmin. Bilan 3 jours examen officiel 9e année fondamentale dans Cap haïtienne. Sorti 12 pour arriver 14 octobre 2021, 21 950 candidats subi examen officiel 9e année fondamentale dans 19 communes département Nord. Dans Cap haïtien, activité a été déroulée dans 16 sièges d'examen qui étaient constitués dans local divers établissements scolaires publics tant que privés. Si pour certains candidats examen ont été à la portée, pour l'autre succès yo pas garanti. Et vous espérez que vous avez fait succès? Donc d'abord, même c'est tout problème pays là, qui sont pays lourd, corona, qui fait que nous pas de temps préparé. Dans ce qui est à ouais, à contenu examen, yon a délégué direction départementale Nord, éducation nationale, professeur Franzi Louis, fait qu'on est technicien yo, dans le ministère de l'éducation nationale, yo, choisi examen en considération pour réalité sociale et politique pays. Qui t'aime, Yvan? Et moi-même, c'est pareil que je vis, et c'est pour la première fois que je vois des candidats
qui arrivent faire examen ça dans 15 à 20 minutes. Et hier, il y a deux examens au cours de la matinée. Il y a des candidats qui font deux examens, on a une heure. Donc ce qui veut dire que c'est tout le bagage en préparation. Ça qui arrive, il y a des gens qui ont fait 2-3 ans même et qui partent des jambes ouvrir les livres. Donc le moment arrive et qu'il n'y a pas toujours senti que c'est un problème. Mais et par rapport à la disposition du ministère des plans, et bien avant même la date officielle là, c'est un coup de rattrapage qui dure 15 jours. Et dans le coup de rattrapage ça, les professeurs ont été choisis, c'est des professeurs qui enseignent matière que normalement que Timon n'a pas composé. Et ça permet que Timon, comme Dagazo, c'est approfondi le programme. C'est un programme minimum ministère des Veilles. Et c'est là-dedans même que vous vous êtes obligé de prendre le travail. Le programme minimum, c'est comme si Dagazo son bagage est allégé. Sorti 12 pour arriver 14 octobre 2021, examen officiel 9e année fondamentale déroulé dans le Cap Haïtien dans un climat sécurité sans grande irrégularité. D'ailleurs, papa, vous êtes papa, vous êtes petit tout qui là, Seigneur. Maintenant, que puisse l'Esprit, mon Dieu, capable d'envoyer le chat qui là. Daniel, par force, par courage, Seigneur, puis capable de passer au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Un objectif pour réduire le niveau d'insécurité alimentaire qu'a Timon avec Jeanne dans le département sud-là, augmenter la production agricole. L'Association des cadres pour la protection de l'environnement, ACAP, lance un projet appui sécurité alimentaire avec développement agricole durable dans le pays d'Haïti. C'est un projet Fondation Kellogg dans le pays des États-Unis financé pour plus passer $400,000 américains. Jean-Enseliska pour plus de détails depuis Vilokai. Association CAB pour protection environnement à CAP lance projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable dans le sud. Cérémonie a été déroulée dans Coder 3e section la Borde commune Okai. C'est Fondation Kellogg qui basée dans pays États-Unis qui finance projet ça à un montant qui évalué à $499,900 américains. Maniche, Akin, Cavaillon et Okai, c'est 4 communes qui pourraient bénéficier du projet ça. Jean-Raymond Delinois, c'est directeur ACAP, qui a bail plus de détails sur le projet. C'est un projet que nous jouons une possibilité de financement Kellogg, Fondation Kellogg, qui est basée aux États-Unis. Mais le projet, c'est pour Haïtiens, c'est pour nous-mêmes. Donc ACAP avec notre partenaire qui est là, au PADMA et MP3K. Donc, on a porté le projet à sous nous, mais c'est dans nos pays. Donc, en fait, la presse est douée, informée pour permettre que pour dire, nous voilà, bon, j'ai fait qu'à faire bon côté à CAP, MP3K ou PADMA, pour nous capables quand même de porter coller dans un changement que nous souhaitons pour Haïti, qui sont un changement que nous, socio-économiquement, que nous sentons confortable. Augmenter la production agricole, là, améliorer les revenus agriculteurs, rendre mesdames yo pi djam et pi autonome, réduit insécurité alimentaire kay timoun ak jeune yo, c'est quelque nan principal objectif ACAP à travers projet. Jean-Raymond Delinois qui c'est directeur ACAP ak Morin Oremil qui c'est directeur projet a dit qui attend yo. Projet ça à la fin li, donc il faut que nous arrivions à améliorer sécurité alimentaire famille yo, il faut que nous travail pour que ti moun yo senti au pied à l'aise hein, donc dans sa nourriture le bien-être hein. Alors bien-être ti moun pas seulement ba ti moun nan manger et ti moun nan besoin de créer le tout ti moun nan besoin vivre dans condition pour bay et mesdames yo, donc me penser que ça nous parler de autonomie mesdames yo en termes de leadership, en termes de sa nourriture autonomie financière hein, pour que garçon yo pas de dire à ta gaz. OK, donc tout ça c'est livrable yo. Alors faut qu'on dise nous dans cadre des projets exécution projet ça, il y a un travail de ligne de base qui a fait, c'est-à-dire pour nous connaître et qui côté nous commencer et le nous fin exécuter projet pour nous voir dans quel niveau que nous y est. C'est-à-dire ligne de base là, c'est lui même qui va le définir à tête là et pas recommander la presse, c'est pas seulement dans le lancement pour nous venir, mais nous même nous qu'a fait un suivi de l'activité avec nous. Ça lui même lui qu'a aider nous pour que nous-mêmes nous positionnions nous par rapport au travail que nous faisons dans le temps, c'est 18 mois. Et à la fin du projet, même si nous invitons nous dans le lancement, nous avons invité nous tous dans l'évaluation finale là, pour que nous-mêmes nous comparer avec nous. Là, nous avons commencé qui côté nous y est, et je dis à nous finir, mais qui côté nous y est.
projet sécurité alimentaire et développement durable que Fondation Kellogg dans le pays États-Unis financé dans le sud pays à travers l'association cadre pour protection environnement a duré 18 mois. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. Deux organisations mettent ensemble pour célébrer mémoire roi Henri Christophe et puis encourager la population à adopter l'idéal roi Henri Ier. Et ils ont été quoi qui a sorti le pays dans une situation difficile de trouver le jour et jeudi. Reportage Florence Disney, David Port-au-Prince. Christophe, c'est la plus belle partie dans l'histoire, non? Christophe, c'est la gloire d'Haïti. C'est la vie France Jean-Baptiste qui passe à se vanter qualité à Xèvre Henri Christophe pendant le temps dirigé au royaume Noa. C'était une belle période, côté tout le monde t'a bien vivre. Sinka Kroy, directeur promotion patrimoine et histoire d'Haïti, dans l'association touristique Palme l'Ouest. Christophe pral mette premier l'école médecine avec anatomie en 1813. Christophe pral simaye l'école dans Wyoming. Et c'est Monsieur White, qui est un officier britannique qui vient en Haïti, qui dit que je passe dans tout gros pays sur la terre, dans tout gros souverain, même pas j'en l'âme qui discipliné, qui pi ordonné, et un pays qui pi bien administré, que ça moi là. Et dans la conjoncture, jeudi, important non seulement pour célébrer mémoire Henri Christophe, mais tout pour adopter l'idéal l'IA, un idéal qui prenait un pays grand sans division et qui plaidait pour liberté. Avec un pays divisé, nous ne sommes pas capables de répondre à aucune évasion sérieuse. Pour cela, il faut que nous unions. Parce que la guerre civile me répugne. Non seulement que la guerre civile me répugne, mais que la guerre civile, elle est contraire aux intérêts du peuple haïtien. Contraire aux intérêts du peuple haïtien, mais elle nourrit les ennemis de la nation haïtienne, voulant voir les frères se détruire entre eux. Et ceux qui auront survécu, les maîtres dans un état complet d'esclavage. Et c'est exactement ce qui a passé aujourd'hui. Nous, on a tué l'autre et on a appris nos parcours qui s'est venu avec Tirez Capriteo. Pour écrivain, c'est seul moyen pour faire face carré à menti gros puissance mondiale. Côté à faire comprendre Haïti, pas de pari pour indépendance. Ils ont essayé d'effacer Christophe dans les mémoires haïtiens. Comment? Parce que je dis à Petionville, mais nous ne sommes pas Cap Henri. Ce n'est pas Cap Haïtien, c'est Cap Henri. Je dis à nous, qui citadelle, il y aurait les citadelles de la Ferrière, ce n'est pas citadelle de la Ferrière, ce n'est que le chemin qui mène à la citadelle qui est la Ferrière. Et c'est citadelle Henri. Et c'est tout ça qui a été effacé. Parce que Christophe, et c'est le seul moyen pour prouver à Haïtiens que nous ne sommes pas préparés pour l'indépendance. Il y a un moment qui remet à nous, qui ne sommes pas préparés pour l'indépendance. Mais si Christophe n'a pas mémoire, moi, ça ne va pas passer. Comme ça, avec l'idéal christophien, Franz Jean-Baptiste Rété croit Haïti a sorti dans une situation difficile de trouver le jour aujourd'hui. Christophe joue un moyen pour lui faire meilleur dans nous-mêmes sortir. Adopter idéologie et politique éclairée, roi Henri Christophe là, pour le pays d'Haïti qui a pris route changement et développement tout bon frais. Florence Lisney Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Nous prenons pause avant de parler de l'élection présidentielle. Ici, aux États-Unis. Président Donald Trump a participé à une émission sur chaîne de télévision NBC, côté par répondre à questions téléspectateurs, pendant que le candidat parti démocrate, là, Joe Biden, a sur chaîne de télévision ABC pour répondre à questions téléspectateurs. Jeudi 15 octobre, là, c'est date que deux candidats ont été participer à un débat face à face, mais le président Donald Trump a refusé recommandation commission débat présidentiel a été fait pour que le débat ait déroulé à distance. Dans le moment de l'élection à rapprocher, officiel aux États-Unis, qui est responsable de sécurité élection, a adopté une série de mesures pour faire face avec possibilité de violence avant, pendant et après le déroulement de l'élection. Mesures prévoient pas seulement contre attaques cybernétiques, mais tout contre violence. Avertissement par sorti de côté autorité fédérale, mais au niveau État, quelques officiels ont parlé pour dire que la campagne de désinformation étrangère est capable d'alimenter une série de problèmes, tant que désordre, manifestation, pour déboucher dans une situation plus grave. Officiels dans le département de sécurité intérieure des États-Unis, dans New Jersey, qui ont fait une évaluation dans fin mois septembre, ont déclaré retard dans le résultat élection avec recomptage bulletin capable de provoquer protestation avec tentative pour prendre contrôle du bureau électoral. Selon responsable, incertitude des résultats élections capable de déboucher sur confrontation entre manifestants et contre-manifestants qui pas d'accord avec résultat élection. Gen l'autre état avec officiel local qui prend au sérieux avertissement, surtout après FBI a été déjoué un complot milicien extrémiste anti-gouvernement, t'est préparé pour kidnapper gouverneur démocrate état Michigan, Gretchen Whitmer.
Officiel de Michigan dit qu'il a révisé la situation avec une attention sur l'élection et a planifié pour publier guide additionnel dans le jour qui vient là. Officiel de fait remarquer qu'il y a un incident qui est arrivé dans le comté Fairfax, tout près Washington DC, côté un groupe manifestant de protester tout près d'un centre de vote qui est dans le local gouvernement. Manifestants qui ont eu la bannière dans le monde ont chanté 4 années additionnelles pour le président Donald Trump. Rapport police sur l'incident indiquait entre les principales bureaux de vote là, pas de bloqué et pas de aucune indication manifestant yo te violé la loi. Officiel aux États-Unis exprimait inquiétude que prochaine fois manifestation a déroulé, il est capable pas pacifique. Officiel yo n'a compté faire fax, pas voulait faire aucun commentaire sur mesure été adoptée en réponse avec manifestation devant centre de vote là. Le porte-parole police Fairfax là déclaré sur la voie de l'Amérique, yo en contact quotidien avec partenaires dans commission électorale là, gouvernement fédéral là avec département police métropolitaine non sous événement potentiel ou bien menace qui t'a posé pour élection. Département police Washington DC a planifié pour augmenter patrouille dans allant tout bureau de voiture jour élection. Département police a dit il veut assurer citoyens qui vivent dans capitale fédérale là une opportunité pour voter dans n'importe élection. Officiel de New Jersey avertit pour dire plus temps il prend pour décider sur le résultat de l'élection 3 novembre, non, c'est plus chance pour des problèmes. Qui est quelque chose qui est capable de déployer garde nationale là pour mettre l'ordre dans des ordres si tu as un dérapage jour ou bien après l'élection? Pendant 100, plusieurs millions d'Américains ont déjà voté par correspondance avant date 3 novembre. Non. Plusieurs États encouragent les citoyens à voter avant date élection pour protéger eux contre le virus COVID-19 là. Le juge fédéral rejeté action en justice, campagne pour élection président Donald Trump te fait pour limiter quand ses boîtes bulletins électoraux dans Pennsylvanie pour vote anticipé pour raison sécurité. Campagne l'a dit, libre aller en appel avec décision tribunal là. En réponse avec décision quelques États prend pour prolonger délai électeurs capables de voter par correspondance, démocrate avec allié aller dans tribunal pour soulager mes restrictions. Républicains adopté sa URL, une défensive stratégique pour contrecarrer le changement démocratique ou les faits dans le règlement. Pour ça qu'il y a un rapport avec la campagne électorale là, et bien deux candidats sur deux chaînes de télévision américaines différentes. Président Donald Trump a participé dans une émission sur chaîne télévision NBC, côté par répondre à une question téléspectateurs, pendant que le candidat parti démocrate là, Joe Biden lui-même a participé dans une émission sur chaîne télévision ABC. Deux candidats ont été doués participer dans un débat jeudi 15 octobre là, mais le débat ça a été renvoyé. Depuis le studio nous, dans Hyattville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Aubert Philippe, La Voix d'Amérique. C'est la nouvelle sur l'élection américaine, on a mis fin dans rendez-vous info pour jeudi 15 octobre 2020. On a remercié tous les correspondants qui ont participé dans le programme ça. Mike Frank, tu as assuré partie technique là depuis Rockville. Moi-même, Jean-Aubert Philippe, m'a salué nous. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, on a profité de l'occasion pour nous souhaiter collègue nous, Jacques Bizerve, pour passer une bonne vacances. Ciao, ciao.